Et hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé en live sur Twitch. Comme vous voyez les gens en bas qui sont excités là, qui me disent mais vas-y, joue, arrête de parler parce qu'ils assistent au pré-show, la chose qui se passe avant le moment où je joue que vous voyez sur YouTube. Et donc là ils sont énervés, parce qu'ils sont à cran les mecs, ils ont envie que je joue. Et aujourd'hui nous allons découvrir un jeu par Desert Fox qui s'appelle Shadowland Journey to Wonderland, Voyage à Wonderland. C'est un jeu qui fait référence Alice, au pays des merveilles, et vous allez voir, en fait, c'est encore une fois, c'est des petits trucs très simples qui me plaisent, c'est la patte graphique qui est relativement sympathique. Ça c'est pourquoi je pense à toi, j'en sais rien. C'est la patte graphique qui me plaît, l'ambiance, et c'est un petit platformer tout simple, mais qui est relativement efficace, et c'est un jeu que j'ai trouvé sur le blog de attention, on va voir si le chat suit, sur le blog de je laisse l'entendre taper, de Get Indie Games, comme d'habitude, bien sûr, je vous mets le lien dans la description. C'est un jeu qui peut être pris gratuitement, mais vous avez la possibilité d'aider les développeurs en leur donnant une petite somme que vous pouvez choisir. Il est disponible sur plusieurs plateformes, il me semble c'est Windows, macOS, Linux, comme d'habitude, la bande son et tout ça à télécharger, c'est génial. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description encore, je l'ai déjà dit, je l'aurais dit. Voilà. Donc, là, New Game. On va commencer. Dans le trou du lapin. Cochon. Ah, bordel de merde! Et ça se joue un peu comme un jeu d'homme chinoise en fait, avec les petites figurines. Mon dieu, le jeu est extrêmement fort. J'ai peur pour le live. J'attends de voir si le live. C'est ça aussi, que le live m'assiste et je pourrais dire est-ce que vous trouvez que le jeu est trop fort? Alors, premier pas. Comme vous pouvez le voir, alors attendez, là je vais faire mon présentateur météo. Ici, ce petit personnage à smiley, c'est ma vie. C'est-à-dire que là il sourit, mais si je crève trop, ben, ça va descendre. À côté, les cartes que vous pouvez pas voir parce que je mets ma main derrière. Vous voyez cette carte là qui est derrière ma main? Qui est devant ma main, pardon, c'est le nombre de vies qui me reste. Là, il m'en reste 3. Dans le trou du panda. Côté doux. Le son est fort. Je m'en doutais. Allez, on baisse ça. Non, la zig, ça va. Vous êtes indécis, c'est incroyable. Un peu fort, c'est fort. Peut-être un peu fort. Le son est impec. Vous êtes tellement précis dans vos commentaires. Bon, je vais prendre la majorité qui me disent que le son, ça va. On va le baisser un tout petit peu. Dans tes oreilles, gamin. Si oui, ça tape un peu. Le son est bon. Poppy me dit le son est bon. Je fais confiance à Poppy. À côté, mon dieu, je vois la vidéo qui charge. Bon, c'est bon, ça passe. Alors, donc là, vous avez dit, comme je vous ai dit, la vie, le machin, tout ça. Là-bas, au bout, il y a 55 étoiles. Je peux pas passer ma main devant, en fait. C'est pas possible. Non, ok. Il faut ramasser un maximum d'étoiles dans le niveau. Je ne sais pas ce que ça fait. J'ai essayé d'avancer le moins possible pour avoir une plus grosse expérience de jeu. J'ai juste avancé. Bien sûr, ça se joue avec les flèches du clavier. Je vais vous montrer. C'est un clavier typique assez basique. Les flèches qui se trouvent ici. Si elles se trouvent ailleurs sur votre clavier, vous êtes escroqué ou alors c'est un clavier chinois. Alors, sur mon ami, et bien sûr, ramasser des étoiles. Et hop, vous voyez, ça fait baisser le compteur à chaque fois que je ramasse des étoiles. C'est génial. Limbo. C'est vrai que ça fait beaucoup penser, mais ça c'est le petit truc. Bon, il a sauté, ok. YOLO! Ah, ce qui est bien, c'est que le jeu m'a dit qu'il faut suivre le lapin. Mais je vais deux fois plus vite que lui. Ah, il y a un escargot. Hop. Et là, il n'y a plus de musique. Tu te fous de ma gueule, je... C'est génial. Je me suis fait chier à régler le son comme c'est pas permis. Tout ça pour que le jeu me dise de musique? Non. Jump! C'est ma chanson préférée de Van Halen! Voilà. C'est toi le chinois. Je t'emmerde. J'essaie de lire les commentaires vite fait à côté, mais de pas trop me laisser perturber par vos commentaires inopinés. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut sauter dans les airs en fait. Voilà, si. Allez voir le Red Barrel de Pseudoless sur le double saut. Il n'y a pas de double saut, mais regardez. C'est vrai, je peux sauter, hop, sans appui dans les airs. C'est la magie d'Alice. Puisque bien sûr, si je l'ai pas dit dès le début, c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai évité un rocher, tout ça, en regardant la caméra. Combien de personnes peuvent faire ça? Beaucoup, certes. Et venant de moi, ça fait beaucoup, quand même. Hop là. Oh putain. Est-ce que j'essaye de choper l'étoile et encore d'éviter un rocher? Il y a du skill ou pas, là? Bon, j'ai pas fait exprès. Alors, donc bien sûr, faut pas toucher les pics, sinon mon petit visage en haut va se dégrader. Voilà, donc là je l'ai fait. C'est pas grave. Hop là, on descend dans le trou. That's what she said. Ok, putain, j'ai évité la souris, mais alors comme une... Est-ce que je peux marcher dans l'eau ou ça lui fait mal? Non, ça va. Encore un de ces personnages hydrophiles qui peuvent pas marcher dans une flaque d'eau. Alors là, expliquez-moi comment je fais pour choper. Comme ça. Pendant qu'il se pose des pièges tout seul. C'est quand même un peu particulier cette physique de pouvoir sauter dans les airs, quoi. Salut lapin.
J'essaie de lire un petit peu les commentaires. Faz Panda se mêle à ses commentaires qui sont en dessous. Moi, ils sont là-bas. Mais pour vous qui regardez la vidéo sur YouTube, ils sont là. Meurs vite. Non, c'est hors de question. Je veux pas mourir, moi. I don't wanna go. 2000ème référence à Doctor Who. J'ai perdu 10 abonnés en faisant une référence à Doctor Who. Ok. Là, je peux voir qu'il y a un ennemi à mort. Ah ta race. Ces rochers, c'est traître, surtout quand on fait pas attention à ce qu'on fait. Hop là. Hop, hop. Hop, hop, hop. Putain, voilà, j'ai réussi à me prendre le rocher. Vous pouvez voir que le petit visage en haut, il fait une sale gueule. Parce que je suis très très mal. J'aimerais bien savoir quand tu vas te retourner, toi, espèce de bâtard. Ok, voilà, c'est bon. Est-ce que c'est du 8-bit? Je pense pas, il y a des nuances. Heureusement, Paka n'est pas là. Pour l'instant, j'ai réussi à ramasser toutes les étoiles. La première fois que j'avais joué, en fait, j'avais pas réussi à ramasser toutes les étoiles parce que je... J'avais pas compris encore comme il faut la... la mécanique du saut. Pouah ! Rocher sur ta gueule ! Allez, il me reste 2 vies encore, c'est pas grave. Hii ! Vous voyez, je vous avais promis du fail. Il y en a. Ah, j'ai réussi à rester planté dans le mur. Je codais avec les fesses comme Duke Nukem Forever. Je rigole, hein. Ce jeu est beaucoup plus intéressant que Duke Nukem Forever, et en plus vous pouvez l'avoir. Et voilà, j'ai encore repris le même rocher dans la bouche. Non, non! Oh putain! Bon, j'ai récupéré un cœur. Mais c'est dommage qu'on ait pas de double saut. Du coup, j'ai raté 3 étoiles, j'aurais pas la fin complète, j'imagine. Fiche. Casse-toi, putain de souris de merde. Alors par contre, au niveau du sound design, autant la musique est sympa. Par contre, au niveau des bruitages du jeu, ils se sont pas trop foulés la cheville. Un passage secret, je sais pas. C'est vrai que Paka... Alors attention, Poppy, il faut pas dire ça. Paka était en dédicace dimanche à Lyon. Voilà. Parce que là, bien sûr, c'est lundi indé, donc c'est vachement lundi en direct. Crédible ou pas, là? Ok. Je vais pas aller là-bas, ça m'a l'air un peu trop tendu. Et maintenant, il y a des chauves-souris, c'est la fête. Ah, ah. Vas-y, prends des rochers dans la bouche comme Panda. Laisse un pouce vert si t'es un gars sympa. Mange une chaussette, c'est trop bien, c'est clair. Putain, je vais pas y arriver à l'avoir ça. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Grâce à la maîtrise du saut qui respecte pas les lois de la physique, j'ai réussi à sauter. Oh putain. Oh putain. Oh le stress. Oh le stress. Ah, on peut les tuer. On en apprend tous les jours sur la chaîne de Panda. Oh, enfoiré. Alors. Oh putain. J'ai buté le lapin. Ah, il m'a manqué 5 étoiles, c'est à mon avis c'était le passage où je devais aller tout à l'heure. Alors là, en attendant que ça passe à l'autre niveau... Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun temps de chargement, c'est très rapide. Là, on perd du temps parce qu'il faut juste que j'appuie sur les touches. Le jeu, il me semble, si je ne m'abuse, fait 55 mégas en téléchargement. C'est un petit fichier rare, .rar, hein, fichier compressé, pas rare, c'est pas dur à trouver. Surtout quand je vous mets le lien dans la description. Mais c'est un petit fichier, c'est pas énorme, c'est un point, c'est un fichier compressé, vous le décompressez, exé, paf, pi, boum, et ça part. Alors, chapitre 2, la piscine des larmes. Les larmes de mes ennemis qui se moquent de moi quand je joue à lundi indé. Alors. Appuyez sur bas pour utiliser. Une petite fille, un océan de chagrin. Utilisez quoi? T'es mignon? Tu... Press down to use. Ouais, bah, je l'ai fait, ça. Buvez-moi, je ne suis pas du poison. Bloop! Donc là, je vais rétrécir, c'est ça? Comme dans Alice. Hop, je peux monter à la chaise, c'est cool. Boing! Une araignée. Ok. Hop. Ah mais je suis obligé de repasser par là. Ah. Ok. Elle m'a rien fait, c'était génial, c'était un ennemi de merde. Mon dieu, Panda, trop de poésie. Alors, je sais plus ce que j'ai dit, parce que t'as sûrement un gros décalage avec moi, mais oui, je dois faire preuve de poésie, comme d'habitude, bien sûr. Ah, putain. Hey. Ok, on peut le faire. Hey.
ta mère l'étoile morte filante de Flipper le dauphin, quoi. Voilà, c'est bon, ça passe. Un petit peu d'insulte et de suite. Oui. C'est bon, je les ai. Pourquoi les souris n'aiment pas les chats? Très bonne question, Jean-Pierre. Encore du racisme. Alors ce niveau-là, je l'ai jamais fait, hein. Je le découvre en même temps que vous. Je peux plus bouger. Cinématique. Snake. Non. Ah, putain, il est énorme. Ah. Mais tes étoiles. Oh putain, ah ouais, d'accord. Même l'herbe me stoppe. Hey. Putain, la musique. Joli travail de musique. Hein. Putain, laisse-moi, con de chat de merde. Plus dur encore, quoi. Plus dur. Ah, tu vois pas, il va me rejouer la... Il me rejoue le truc. Putain, c'est chaud quand même, parce que j'ai pas traîné non plus, quoi. Bâtard. Allez, c'est parti. Là, je suis déjà appuyé sur le truc, là. Tu peux pas m'en voir, là. Chassé par un chat, attention, il va te manger, il te prend pour une canette de thon. C'est parti. On sort bien, on en sort bien. Alors bizarrement, on va plus vite en galérant à marcher dans l'herbe plutôt que sauter. Quoi. Ok, bah, je vais marcher dessus. Alors il me semble que j'ai marché sur cette étoile. Hein. Ah. Fallait rentrer. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce lundi indé, parce que je vais pas tout vous dévoiler non plus. Une canette de thon, oui, ça se dit au Québec. Et là, il y a un Québécois qui va sortir, il fait, mais pas du tout. Déjà, c'est un très mauvais accent québécois que tu me fais là, je sais pas à quoi ça ressemble, hein. Oui, j'ai dit une canette de thon, vous allez vous en remettre? Quoi qu'il en soit, c'était Dream Shadow. Putain, à chaque fois, je me plante. Il me semble que c'était Shadowland, ou quelque chose comme ça. Journey to Wonderland, j'ai complètement mélangé les mots, c'était génial. Un jeu à télécharger de seulement 55 mégas, bien sûr, dans la description de la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez le télécharger en passant par le blog de Get Indie Games. Je galère, est-ce que tu veux changer ton nom de blog s'il te plaît, l'appeler Prout, comme ça ira beaucoup plus vite. Un jeu où vous pouvez laisser une petite participation, un petit pourboire, voilà, parce qu'il y a des gens, je sais, qui veulent, qui me demandent si je vais participer à Tipeee. Non, donc si jamais un jour vous vouliez me donner de l'argent, pourquoi ne pas en donner des fois au jeu dont je parle. C'était encore un live Twitch que vous voyez sur YouTube le lundi pour le lundi indé. Si jamais vous voulez un jour être là pour un des lives, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, sur Twitter, où je donne les rendez-vous pour les enregistrements de lundi indé. Merci de l'avoir regardé. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à poster Prout dans les commentaires. Et à bientôt! J'ai pas compris ta vanne, ou peut-être parce qu'elle était pas drôle. Pouh, dans tes dents, vas-y, ramasse ta salive. Et va cueillir des olives. Ok. Voilà, et il y a du prout, c'est génial.